Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission apologétique du Fidépost. Je tiens tout d'abord à remercier toutes les personnes qui prient pour nous, ainsi que toutes les personnes qui nous envoient des dons, afin que nous puissions continuer à développer ce média catholique. Allez, on se retrouve immédiatement pour la suite de cette émission sur FIDETV. A tout de suite. On trouve dans le Coran de nombreuses références à des personnages et à des événements bibliques. Ceci est tout à fait compréhensible étant donné que le Coran se présente comme étant la suite et la confirmation des livres de la révélation judéenne et chrétienne, à savoir la Bible hébraïque et l'Évangile, comme on le lit d'ailleurs dans les trois premiers versets de la sourate 3, ou encore dans le verset 46 de la sourate 5, où nous lisons la chose suivante. « Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et nous lui avons donné l'Évangile, où il y a guide et lumière, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux. » Dans une précédente étude, nous avions déjà réfuté l'argument de certains apologistes musulmans modernes, argument selon lequel la Bible aurait été falsifiée ou corrompue, ce qui expliquerait en partie, selon eux, la décision de Dieu de révéler le Coran afin de rétablir pleinement la révélation qui aurait été perdue par les juifs ou par les chrétiens. Nous avions cependant remarqué que cette thèse de la corruption des textes bibliques était relativement récente chez les apologistes musulmans. Dans le monde islamique médiéval, le juriste andalou Ibn Hazm était pratiquement le seul à avoir avancé cette thèse, tandis que l'ensemble des grands théologiens et autres exégètes suivaient l'enseignement du Coran et de la tradition islamique en affirmant que la Bible n'avait pas été falsifiée ou corrompue. Cependant, ces derniers considéraient que certains juifs ou certains chrétiens en avaient corrompu le sens par leurs interprétations erronées. Nous avions également noté que la popularité actuelle de la thèse de la corruption des textes bibliques s'expliquait très facilement. En effet, un examen comparatif des textes bibliques et des textes coraniques suffit pour s'apercevoir que Bible et Coran enseignent des doctrines radicalement différentes, en particulier en ce qui concerne la divinité du Messie, son incarnation, sa passion, mais aussi le dogme de la très sainte Trinité. C'est d'ailleurs ce qui avait motivé Ibn Hazm à défendre sa thèse en son temps. Mais au-delà de ces profondes différences théologiques, on constate également que la plupart des références bibliques et évangéliques du Coran ne se retrouvent nulle part dans la Sainte Bible. Tout ceci pose un grave problème pour la crédibilité du Coran, puisque ce livre est présenté comme étant la confirmation des précédentes révélations. Or, selon la plupart des savants de l'islam, le Coran n'affirme pas que le texte de la Bible chrétienne ait été physiquement altéré. Mais dans ce cas, comment expliquer de telles différences narratives entre le Coran et la Bible? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir en examinant les véritables sources du Coran. Les théologiens de l'Église catholique ont très tôt connu l'islam et ils ont très tôt cherché à réfuter les prétentions de la religion de Mohammed. Très tôt, ils se sont aperçus que les allusions bibliques et évangéliques trouvées dans le Coran avaient clairement pour origine des sources non révélées. Saint Alphonse de Liguori, qui avait bien étudié le Coran ainsi que la doctrine islamique, affirmait la chose suivante. Aux histoires du Coran appartiennent en grand nombre les récits, dont une partie a été tirée des livres saints, mais d'une façon altérée, tandis qu'une autre partie a été tirée des livres apocryphes et spécialement du Talmud des Juifs. Notons aussi que le Coran témoigne du fait que beaucoup de contemporains de Mohammed contestaient ses prétentions prophétiques au motif que ce dernier ne faisait que répéter d'anciennes légendes. On retrouve ces accusations en particulier dans la partie dite mécoise du Coran, ce qui semble assez logique puisqu'à cette époque, on sait, notamment grâce à la tradition islamique elle-même, que Mohammed avait de très nombreuses interactions avec des païens, des juifs talmudiques ainsi que des hérétiques pseudo-chrétiens. On lit par exemple dans le verset 25 de la sourate 6, le passage suivant. « Il en est parmi eux qui viennent t'écouter, toi Mohammed. » Cependant que nous avons entouré de voiles leur cœur, qui les empêche de comprendre le Coran, et dans leurs oreilles est une lourdeur. Quand même ils verraient toutes sortes de preuves, ils n'y croiraient pas. Et quand ils viennent disputer avec toi, ceux qui ne croient pas disent alors, ce ne sont là que des légendes des anciens. Ceci est un témoignage extrêmement intéressant. Voyons donc ensemble si le Coran reprend effectivement les vrais textes bibliques et évangéliques, ou s'il reprend plutôt les sources pseudo-bibliques du Talmud et des évangiles gnostiques. On retrouve effectivement trois types de sources dans le Coran. Premièrement, des sources pseudo-bibliques, lesquelles incluent les apocryphes pseudo-bibliques, des légendes talmudiques ainsi que de nombreux éléments kabbalistiques. Deuxièmement, on trouve des sources pseudo-évangéliques, qui incluent notamment donc les apocryphes tardifs, notamment ceux qui étaient utilisés par les sectes pseudo-chrétiennes. Et troisièmement, on retrouve des sources profanes ou païennes, lesquelles incluent des références aux légendes orientales en relation avec le paganisme arabe ou mésopotamien. Dans cette première vidéo, nous nous occuperons uniquement des sources pseudo-bibliques du Coran, et dans de prochaines études, si Dieu le veut, nous parlerons des sources pseudo-évangéliques.
Dans plusieurs endroits du Coran, il est enseigné que Dieu aurait ordonné aux anges de se prosterner et d'adorer Adam. C'est ce que saint Alphonse de Ligorie avait d'ailleurs lui-même remarqué avec étonnement. Dans les vérités de la foi, saint Alphonse nous dit « Dans le Coran, Mohammed écrit que Dieu ordonna aux anges d'adorer Adam et que tous lui ont obéi, excepté Belzébuth. » Nous lisons en effet dans la sourate 2, au verset 34, le passage suivant. « Et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis, qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. » On lit le même récit dans la sourate 18, au verset 50. « Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis, qui était du nombre des djinns et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. » On retrouve encore le même récit dans la sourate 15, dans la sourate 20, dans la sourate 7 et dans la sourate 17. Pour commencer, on pourrait se demander comment les musulmans expliquent que Dieu ait ordonné aux anges de se prosterner devant Adam, un acte qui pourrait, pour certains d'entre eux, facilement être assimilé à de l'adoration et donc à de l'association. Certes, on pourrait aussi dire qu'il s'agissait pour Dieu d'exalter sa création, c'est-à-dire Adam, et de signifier que les anges devaient servir l'humanité. Mais quoi qu'il en soit, le gros problème là-dedans, c'est qu'on ne trouve nulle trace d'un tel récit dans toute la Sainte Bible. En revanche, on trouve l'origine de ce texte coranique dans plusieurs légendes pseudo-bibliques datées entre le 3e et le 5e siècle de notre ère. Notamment dans la vie d'Adam et Ève, un apocryphe juif daté entre le 1er et le 3e siècle de notre ère, nous lisons le passage suivant. Notez qu'ici, c'est le diable qui parle. « Lorsque Dieu souffla en toi, Adam, le souffle de vie, et que ton enveloppe et ton apparence fut faite à l'image de Dieu, l'ange Michel te fit venir et nous fit, nous les anges, t'adorer devant Dieu. » Plus loin, toujours dans le même texte, c'est encore une fois le diable qui s'exprime. Et Michel vint et appela tous les anges en disant « Adorez l'image de Dieu comme le Seigneur Dieu l'a ordonné ». Et Michel lui-même adora en premier. Puis il m'appela et dit « Adore l'image de Dieu ». Et parce que Michel me pressait d'adorer, je lui dis ceci « Pourquoi me presses-tu ? Je ne veux pas adorer un être inférieur et plus jeune que moi. Je suis son aîné dans la création. J'étais déjà créé avant qu'il ne soit créé. C'est à lui de m'adorer ». On retrouve également le même récit dans le texte pseudo-biblique connu sous le titre de « La caverne des trésors », un apocryphe écrit en syriaque au cours du 6e siècle par un auteur inconnu mais vraisemblablement d'origine mésopotamienne. Ce texte était très répandu en Orient, aussi bien en Éthiopie qu'en Arabie. Il était particulièrement diffusé dans les sectes nestoriennes, ce qui n'est pas surprenant si l'on considère que plusieurs individus issus de ces milieux hérétiques ont clairement eu une influence sur Mohammed et sur les premiers musulmans. On retrouve enfin une troisième source de ce récit coranique dans le pseudo-évangile de Bartholomée, un apocryphe condamné par le pape Gélas Ier dans son Decretum Gelasianum au 5e siècle. On lit dans le 4e chapitre de ce pseudo-évangile de Bartholomée le passage suivant. « Et lorsque je vins depuis les confins de la terre, Michel dit « Adore l'image de Dieu qu'il a créée selon sa ressemblance. Mais je répondis, donc là encore c'est le diable qui parle, « Je suis feu issu du feu. J'ai été le premier ange à être formé et je devrais adorer, moi, de la boue et de la matière. » On retrouve dans le Coran essentiellement le même discours et le même schéma narratif que dans cet apocryphe, à savoir que Satan affirme être créé à partir du feu et qu'il refuse de se prosterner devant Adam car ce dernier est inférieur et qu'il a été créé à partir de l'argile. On lit en effet dans le verset 76 de la sourate 38 le passage suivant. Donc là c'est Iblis qui parle, « Je suis meilleur que lui, dit Iblis, tu m'as créé du feu et tu l'as créé d'argile. » Nous voyons donc ici qu'il est absolument évident que le récit coranique prend source dans ces récits pseudo-bibliques datés entre le 3e et le 6e siècle de notre ère. Dans le Coran, comme dans les apocryphes, on retrouve exactement le même schéma narratif, à savoir la rébellion du diable motivée par un refus d'adorer ou de se prosterner devant Adam. Dans les deux cas, on constate aussi que le diable est donc précipité dans les enfers à cause de ce refus. On ne trouve rien de tel dans la Sainte Bible. Il faut donc conclure que le Coran prend ici directement source dans des récits non révélés. L'histoire d'Abraham sauvé de la fournaise est un récit pseudo-biblique dont les origines ne se trouvent nulle part ailleurs que dans le Talmud. Or, tandis que cette légende est évidemment complètement absente de la Sainte Bible, eh bien on la retrouve sans surprise à de très nombreuses reprises dans le Coran ainsi que dans les Hadiths. Dans ce récit, Abraham s'oppose à son entourage païen. Après avoir brisé des idoles païennes, Abraham se voit condamné par les idolâtres à être jeté dans une fournaise. Cependant, Abraham est miraculeusement sauvé par la providence divine qui refroidit le feu ardent, ce qui lui permet de survivre aux flammes. On retrouve cette légende dans différents livres du Talmud de Babylone, en particulier dans les Pessarim, ainsi que dans le Midrash talmudique qu'on appelle le Bréchit Rabba, qui est un commentaire talmudique sur le livre de la Genèse.
Or, comme nous le savons, les textes du Talmud ne sont évidemment pas d'origine révélée, et leur composition remonte aux alentours du 4e siècle de notre ère, comme l'admettent d'ailleurs les historiens juifs eux-mêmes. Par exemple, le célèbre historien juif Jacob Neusner affirme ainsi « Le Bereshit Rabba, dans sa forme finale, se diffuse au moment où l'Empire romain passe de la domination païenne à la domination chrétienne, vers l'an 360. » Généralement considéré comme ayant été clos ou rédigé entre l'an 400 et 450 de notre ère, peu de temps après la rédaction du Talmud de Jérusalem, le Bereshit Rabba transforme le livre de la Genèse en le faisant passer d'une généalogie de la famille d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Joseph en un livre de lois historiques et de règles pour le salut d'Israël. Ainsi, on retrouve la légende de la fournaise d'Abraham en de très nombreux endroits du Coran, en particulier dans les versets 51 à 71 de la sourate 21. On y retrouve donc Abraham défiant le paganisme de ses compatriotes. Nous lisons en effet dans les versets 51 à 53 de la sourate 21 le passage suivant. « En effet, nous avons mis auparavant Abraham sur le droit chemin, et nous en avions une bonne connaissance, quand il dit à son père et à son peuple, « Que sont ces statues auxquelles vous vous attachez ?» Ils dirent « Nous avons trouvé nos ancêtres les adorants. » Dans la même sourate, au verset 58, on retrouve Abraham qui brise les idoles païennes, à l'exception de la plus grande d'entre elles, ce qui est un détail très important. Nous lisons en effet « Abraham les mit en pièces, c'est-à-dire les idoles, hormis la statue la plus grande. » Dans les versets suivants, les païens demandent qui est le responsable de la destruction des idoles, donc nous lisons dans le verset 59, et ils dirent « Qui a fait cela à nos divinités ? Il est certes parmi les injustes. » Donc Abraham est accusé, il se défend d'abord par un mensonge. On lit dans les versets 60 à 63, le passage suivant, « Et certains dirent, nous avons entendu un jeune homme médire d'elle, il s'appelle Abraham. Ils dirent, amenez-le sous les yeux des gens, afin qu'il puisse témoigner. Alors ils dirent, est-ce que c'est toi qui a fait cela à nos divinités, Abraham ? Et il dit, Abraham, c'est la plus grande d'entre elles que voici qui l'a fait, donc qui a brisé les autres idoles. Demandez-leur donc si elles peuvent parler. » Donc après s'être accusés mutuellement, les païens accusent à nouveau Abraham et donc celui-ci est livré aux flammes. C'est ce que nous lisons dans les versets 64 à 68 de cette même sourate 21. Ensuite, dans les versets 69 à 71, Abraham est alors protégé du feu par une intervention divine, puis il est récompensé de son zèle et de sa foi, non seulement lui, mais également ses descendants. Or, de toute façon tout à fait extraordinaire, eh bien nous retrouvons exactement la même histoire dans les légendes talmudiques. Nous lisons en effet, dans le 38e chapitre de Bereshit Rabba, le récit d'Abraham brisant les idoles, à l'exception de la plus grande. Nous lisons en effet, « Abraham prit un gourdin dans ses mains et brisa toutes les idoles, puis il plaça le gourdin dans les mains de la plus grande des idoles. » Toujours dans le chapitre 38 de Bereshit Rabba, on retrouve le mensonge d'Abraham qui affirme que en fait, c'était la plus grande idole qui avait brisé les autres. On lit en effet, « Lorsque son père fut de retour, il demanda à Abraham, « Qui a fait tout cela ?» Abraham répondit, « Je ne peux pas te le cacher, c'est la plus grande des idoles qui se leva, qui a pris un gourdin et qui a brisé les autres idoles. » Terah, c'est-à-dire le père d'Abraham, dit alors, « Penses-tu pouvoir te jouer de moi ? Ces idoles ne peuvent pas se mouvoir. » Dans les Pessarim, on retrouve le récit du sauvetage miraculeux d'Abraham par un refroidissement des flammes. En effet, c'est Gabriel qui demande à Dieu de pouvoir sauver Abraham. On lit, par exemple, « Laissez-moi descendre et refroidir ce feu afin de sauver cet homme juste de la fournaise ardente. » Toujours dans les Pécharim, on voit également Abraham être récompensé de son zèle et de sa foi, non seulement lui, mais aussi ses descendants, notamment donc Isaac, Jacob et Joseph. Nous voyons donc de façon extrêmement nette que le récit coranique s'est directement inspiré des légendes talmudiques. Bien que les éléments essentiels de la légende talmudique soient retenus, on voit cependant quelques différences de détails dans le récit coranique. Par exemple, le récit talmudique mentionne une sorte d'échange théologique entre Nimrod, présenté comme un adorateur du feu, et Abraham, adorateur du Dieu unique. Ajoutons à cela que cette légende talmudique se fonde elle-même sur une manipulation rabbinique grossière, qui en dit long d'ailleurs sur l'impiété dans laquelle tombèrent les juifs apostats des premiers siècles de notre ère. En effet, Saint Jérôme enseigne que cette légende talmudique semble venir d'une erreur de traduction. Saint Jérôme affirme la chose suivante, « En lieu et place de ce que nous lisons dans la Septante, à savoir la phrase « Je suis Yahvé qui t'a fait sortir d'Ur des Chaldéens », c'est la phrase que nous lisons dans Genèse 15, verset 7. Nous trouvons à la place de ça, chez les Juifs, la phrase suivante, « In Ur Kesdim », ce qui signifie « Dans le feu des Chaldéens ». De plus, les Juifs, prenant avantage de ce verset, transmettent une histoire selon laquelle Abraham aurait été jeté au feu pour avoir refusé d'adorer les idoles. En effet, il faut comprendre que le mot « Ur » en hébreu peut vouloir signifier « lumière » et en araméen, il peut également signifier « feu ». Cependant, comme le notait très bien Saint Jérôme, il ne s'agissait pas exactement d'une erreur de traduction de la part des rabbins talmudiques, mais plutôt d'une manipulation volontaire de leur part à des fins apologétiques, en particulier à l'encontre du zoroastrisme.
Selon Yishal Kiel, docteur en droit talmudique, l'intention des rabbins était visiblement de différencier leur légende de la fournaise d'Abraham de la légende de Zarathoustra, qui est lui aussi, dans la glose zoroastrienne, sauvé miraculeusement d'un feu ardent. Ceci expliquerait donc les attaques de la légende talmudique à l'endroit de Nimrod. Il y aurait encore beaucoup à dire sur cette légende talmudique passée dans le Coran, des choses qui incriminent aussi bien le judaïsme talmudique que l'islam. Cependant, c'est une étude qu'il faudra réserver pour plus tard. Quoi qu'il en soit, nous avons encore une fois mis en lumière un récit pseudo-biblique du Coran, dont la source n'est évidemment pas la Sainte Bible, mais le Talmud des Juifs. Dans la sourate 27, au verset 44, nous lisons l'histoire de la rencontre entre la reine de Saba et le roi Salomon selon le Coran. Nous lisons en effet, « On lui dit à la reine de Saba, entre dans le palais. » Puis quand elle le vit, elle le prit pour de l'eau profonde, et elle se découvrit les jambes. Alors le roi Salomon lui dit, « Ceci est un palais pavé de cristal. » Comme vous vous en doutez, chers auditeurs, cette histoire n'apparaît évidemment nulle part dans la Sainte Bible. Par contre, elle apparaît encore une fois dans les sources du mysticisme talmudique, en particulier dans le deuxième Targoum d'Esther, où nous lisons le rapport suivant. Lorsque le roi Salomon apprit que la reine de Saba venait à lui, il se leva et alla s'asseoir dans une maison de cristal. Et lorsque la reine de Saba vit que le roi était assis dans un palais de cristal, elle se dit à elle-même que le roi était assis sur de l'eau. Alors elle souleva sa robe pour traverser, et il vit qu'elle avait des jambes poilues. Le roi Salomon lui dit « Tu es une femme excessivement belle, mais tes poils sont les poils d'un homme ». Selon l'historien Christopher Morey Jones, le deuxième Targoum d'Esther a été publié au 7e siècle de notre ère, c'est-à-dire à l'époque où se développa justement le récit coranique lui-même. Nous voyons ici que l'emprunt du Coran aux légendes talmudiques est absolument indubitable. D'ailleurs, il existe de nombreux commentaires de théologiens musulmans relatifs à ce verset. On note d'ailleurs que leurs commentaires semblent puiser eux-mêmes directement dans la source talmudique. On lit par exemple dans le commentaire d'Al-Talabi, le passage suivant. Elle, c'est-à-dire la reine de Saba, avait les plus beaux pieds et les plus belles chevilles que l'on pouvait avoir, mais ses chevilles étaient certainement poilues. La remarque discourtoise, mais cependant justifiée et pleine d'humour du roi Salomon par rapport aux jambes de la reine de Saba, semble avoir été particulièrement remarquée par les commentateurs musulmans, puisqu'ils en ont tiré des conclusions morales assez intéressantes. En effet, toujours selon le commentateur Al-Talabi, citant un hadith d'Ibn Abbas, ce serait à cette occasion que, je cite, « pour la première fois, une méthode dépilatoire fut utilisée, à la suite de quoi, le roi Salomon se maria avec la reine de Saba ». Selon Christopher Morey Jones, la symbolique des jambes poilues de la reine de Saba n'est pas difficile à comprendre. Elle symbolise une nature sauvage et masculine, une arrogance à prétendre aux prérogatives masculines du commandement et du pouvoir. Selon ces auteurs musulmans, de telles choses, chez une femme, sont répugnantes, peu importe sa beauté. Alors, entre nous soit dit, honnêtement, on peut difficilement être en désaccord avec l'opinion de ces commentateurs musulmans sur ce point précis. Mais la question n'est pas là. Le fait est qu'encore une fois, le Coran est allé directement puiser dans les fables talmudiques, jusque dans les détails les plus grotesques. Et ce n'est pas tout, car de plus, cette légende talmudique insérée dans le Coran doit également être rapprochée du mysticisme proto-kabbalistique qu'on appelle également la littérature de la Merkava et des Héralot. En effet, dans ces récits que nous avons lus précédemment, nous voyons la reine de Saba entrer dans le palais de cristal. En entrant, le sol du palais est donc tellement translucide qu'elle le prend littéralement pour de l'eau. Nous lisons en effet, pour rappel, dans le verset 44 de la sourate 27 que nous avons vu précédemment, « On dit à la reine, entre dans le palais. Puis quand elle le vit, elle le prit pour de l'eau profonde, et elle se découvrit les jambes. Alors le roi Salomon lui dit, « Ceci est un palais pavé de cristal. » Elle dit, « Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même. Je me soumets avec Salomon à Allah, Seigneur de l'univers. » La question est la suivante, pourquoi est-ce que la reine de Saba déclare-t-elle ici qu'elle s'est faite du tort à elle-même? Est-ce qu'elle parle d'une manière générale afin de signifier sa conversion? Ou bien fait-elle cette déclaration en rapport avec le fait qu'elle ait confondu le sol du palais avec de l'eau? Eh bien la réponse à la question se trouve dans les textes du mysticisme talmudique, plus précisément dans les traditions des Héralot, ou ce qu'on appelle également la littérature des palais. Il s'agit de textes fondateurs du mysticisme juif que l'on peut dater entre le 2e et le 4e siècle de notre ère. Ces textes peuvent être considérés comme étant également fondateurs du kabbalisme juif qui se développera quelques siècles plus tard. La littérature de la Merkava et des Héralot traite essentiellement des méthodes à utiliser pour atteindre un état de perfection spirituelle permettant d'emprunter les chars mystiques et de pénétrer dans les palais célestes. Pour pénétrer dans ces palais, qui sont au nombre de 7, le mystique doit cependant connaître un certain nombre de codes et d'astuces afin de passer les tests d'entrée avec succès.
C'est ainsi que l'on trouve dans le Héralote Zurtati une explication de la symbolique mystique du palais du cristal, et plus particulièrement du sixième palais, lequel ressemble étrangement au palais dont il est question dans la légende talmudique et dans la légende coranique de la rencontre entre la reine de Saba et le roi Salomon. Nous lisons en effet dans le Héralote Zurtati le passage suivant. Une certaine personne fut jugée digne, et se tenait à la porte du sixième palais. Et elle vit la brillance de l'air et des pierres, et cette personne ouvrit deux fois sa bouche et dit « De l'eau, de l'eau !» En un clin d'œil, ils, c'est-à-dire les anges, lui coupèrent la tête. Ce passage des Héralotes Zurtati est largement commenté et repris non seulement dans le Talmud de Babylone, mais également dans le Zohar. Ainsi, dans le traité Ragiga, au chapitre 14b, on trouve une explication nous permettant de comprendre pourquoi la personne décrite dans le Héralot a eu la tête coupée pour avoir dit « de l'eau, de l'eau ». Nous lisons en effet, dans le Talmud, « Les sages ont enseigné, quatre personnes sont entrées dans le paradis, c'est-à-dire qu'elles ont traité avec les secrets les plus profonds de la Torah. Et ces quatre personnes sont Ben Adzai, Ben Zoma, Elisha Ben Ayuva et le Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, qui était le plus âgé d'entre eux, leur dit la chose suivante. Lorsque vous serez dans les mondes supérieurs et que vous arriverez devant les pierres de pur marbre, ne dites pas « de l'eau, de l'eau », bien qu'il vous semblera que ces pierres sont de l'eau, car il est écrit « Celui qui profère le mensonge ne subsistera pas devant mes yeux ». Donc, en clair, les sages du Talmud expliquent ici que les mystiques qui arrivent au fameux sixième palais doivent réussir le test et donc ne pas confondre le marbre pur et translucide du palais avec de l'eau, sans quoi ils seront massacrés de façon terrible. Telles sont les perles du mysticisme talmudico-kabbalistique. Quoi qu'il en soit, il est clair que cette légende des Héralotes constitue clairement la base du récit de la rencontre entre la reine de Saba et Salomon, telle qu'on la retrouve dans le passage du deuxième Targum d'Esther que nous avons cité précédemment. A ce sujet, l'universitaire Christopher Murray Jones affirme que « Il ne fait aucun doute que l'auteur du second Targum d'Esther a basé son histoire de la reine de Saba sur l'épisode de la vision des eaux que l'on trouve dans la tradition des Héralotes. Il semble cependant que l'auteur se soit simplement approprié l'histoire de la tradition des Héralotes et l'ait adaptée à ses buts précis, peut-être sans grande compréhension de la profonde symbolique de l'histoire qu'il emprunta. Donc nous voyons ici clairement que l'auteur du Coran a grossièrement repris le récit du deuxième Targum d'Esther, qui lui-même reprenait déjà de façon grossière les légendes talmudico-mystiques et proto-kabbalistiques des 2e et 4e siècles de notre ère. Pour finir avec cette histoire, notons que, selon certains commentateurs musulmans, l'épilation des jambes de la reine de Saba fut réalisée au moyen des fameux djinns, les fameux démons contrôlés par le roi Salomon. En effet, comme nous allons le voir, le Coran affirme que Salomon pouvait contrôler certains démons et se servir d'eux. Évidemment, la source de cette histoire n'est évidemment pas biblique, comme vous vous en doutez. La figure de Salomon est particulièrement vénérée dans la tradition islamique. Son nom apparaît régulièrement dans le Coran, dans les hadiths, ainsi que dans la glose musulmane à l'époque médiévale et à l'époque moderne. Selon le docteur Denis Dooling, spécialiste en histoire sacrée, le folklore islamique a développé la légende salomonique d'une façon extrêmement riche et imaginative. Salomon est décrit comme étant le plus grand dirigeant de tous les temps, comme un véritable apôtre d'Allah, un messager ainsi qu'un prototype de Mohammed. Comme vous vous en doutez, les récits associés au roi Salomon que l'on trouve dans la tradition islamique ou dans le Coran ne viennent pas du tout de la Sainte Bible, mais viennent des légendes pseudo-bibliques du mysticisme talmudique et kabbalistique, ainsi que des sources apocryphes utilisées dans les milieux occultistes de l'Antiquité tardive. Toujours selon le docteur Dooling, durant la période médiévale, probablement vers le XIIe siècle et sans doute sous l'influence arabe, Salomon fut présenté comme l'auteur de livres scientifiques et magiques. Seligson mentionne 49 livres de ce genre, et cette liste est loin d'être exhaustive. Au XVe siècle, des livres de secrets magiques étaient attribués à de grandes figures des écritures juives, telles que Adam, Moïse et tout spécialement Salomon. S'y ajoutèrent ensuite Zoroastre, Hermès Trismégiste, Aristote, Alexandre le Grand, Virgile et enfin Mohammed. Il n'est donc pas surprenant de voir à quel point l'alchimie et la magie dite licite ont pu se développer dans certaines parties du monde arabo-musulman entre le Moyen-Âge et l'époque moderne. Nous avions déjà évoqué dans une précédente vidéo le cas du théologien musulman médiéval Mohamed al-Tabazi qui écrivit un grand nombre de traités de magie islamique au XIe siècle. La chose peut paraître étonnante aux musulmans d'aujourd'hui, mais en vérité, c'est le Coran lui-même qui suggère l'utilisation d'une forme de magie licite, puisque nous lisons dans le passage suivant dans les versets 36 à 39 de la sourate 38, « Nous lui assujettîmes, à Salomon, le vent qui, par son ordre, soufflait modérément partout où il voulait. De même, nous lui avons assujetti les diables, bâtisseurs et plongeurs de toutes sortes, et d'autres encore, accouplés dans des chaînes. Voilà notre don, distribue-le, retiens-le, sans avoir à rendre de compte. » Nous voyons donc ici que le dieu du Coran donne à Salomon le pouvoir de contrôler les vents, mais également d'avoir à ses ordres des démons bâtisseurs et plongeurs de toutes sortes.
Évidemment, rien de tout ceci ne se trouve dans la Sainte Bible. Ce récit est là encore directement inspiré d'un récit apocryphe pseudo-biblique, en l'occurrence du fameux Testament de Salomon. Les spécialistes situent généralement la rédaction de ce texte entre le 2e et le 5e siècle de notre ère. Il s'agit d'un récit décrivant comment Salomon a construit le temple de Jérusalem en utilisant le service de démons qu'il contrôlait au moyen d'un anneau magique. Et nous allons voir toutes les correspondances narratives que l'on trouve entre la sourate 38 et le testament de Salomon. En effet, dans les versets 30 à 35 de la sourate 38, on voit comment Salomon s'est repenti d'avoir accordé trop d'attention à des choses mondaines et comment il se mit à prier ardemment pour obtenir un pouvoir exceptionnel. Nous lisons en effet dans la sourate 38 « Et à David nous fîmes don de Salomon, quel bon serviteur. Il était plein de repentir quand un après-midi on lui présenta de magnifiques chevaux de course, il dit « Oui, je me suis complu à aimer les biens de ce monde, au point d'oublier le rappel de mon Seigneur, jusqu'à ce que le soleil se soit caché derrière son voile. Ramenez-les-moi. » Alors Salomon se mit à leur couper les pattes et les coups. Et nous avions certes éprouvé Salomon en plaçant sur son siège un corps. Ensuite, il se repentit. Il dit « Seigneur, pardonne-moi et fais-moi don d'un royaume tel que nul après moi n'aura de pareil. C'est toi le grand dispensateur. » Ainsi, selon le Coran, c'est donc de cette manière que Salomon obtint le pouvoir sur le vent ainsi que sur les démons bâtisseurs et plongeurs. Or, cette trame narrative correspond tout à fait à l'ouverture du Testament de Salomon, où on présente Salomon également en train de prier ardemment pour obtenir un pouvoir exceptionnel. Lorsque moi, Salomon, j'entendis ces choses, je sortis du temple de Dieu et le louant jour et nuit, je suppliai de toute mon âme que le démon soit livré entre mes mains et que je puisse avoir autorité sur lui. C'est alors que, tandis que j'étais en train de prier le Dieu du ciel et de la terre, le Seigneur Sabaoth, par l'intercession de l'archange Michel, me donna un anneau dont le sceau était gravé sur une pierre précieuse. On lit plus loin, toujours dans le testament de Salomon, la chose suivante. Notez que c'est Salomon qui parle ici. Il, le démon du vent, démolit un large contingent de soldats, soulevant dans les airs un nuage de poussière, le transporta en hauteur avant de le jeter sur moi à plusieurs reprises, tandis que j'observais la scène avec émerveillement. Lorsque je me levais, je crachai au sol à cet endroit et j'enchaînai ainsi le démon. De ce fait, les airs cessèrent de se mouvoir. On lit ailleurs dans le même testament de Salomon. Puis le garçon obéit aux ordres et se rendit en Arabie. Or, les hommes des environs doutaient qu'il était possible de contrôler les mauvais esprits. Cependant, avant l'aube, le serviteur de maison se leva et confronta l'esprit du vent, alors que celui-ci entra dans la flasque. Le garçon tint ferme. Il lia le goulot de la flasque au nom du Seigneur Sabaoth et le démon du vent demeura à l'intérieur de la flasque. Nous voyons donc ici une nette correspondance d'éléments narratifs. D'un côté, le Coran nous décrit un Salomon ayant le pouvoir de contrôler les airs, ainsi que certains démons, tandis que de son côté, le Testament décrit Salomon comme ayant le contrôle sur le démon des airs. Donc dans les deux cas, Salomon obtient ses pouvoirs extraordinaires après avoir profondément prié. De plus, le verset 36 de la sourate 38, vu précédemment, affirme que Salomon a reçu le pouvoir de contrôler des démons bâtisseurs. Il s'agit là encore d'un emprunt évident aux légendes du Testament de Salomon. En effet, nous lisons dans le Testament de Salomon de quelle manière Salomon aurait utilisé ses démons pour bâtir le temple de Jérusalem. Nous lisons par exemple « Or, lorsque moi, Salomon, j'entendis ces choses, j'ordonnai à Belzébub, prince des démons, de tailler des blocs de marbre de Thèbes. Or, il y avait une gigantesque pierre d'angle que je désirais placer tout en haut du coin du mur afin de terminer le temple de Dieu. » Tous les artisans et tous les démons qui aidaient aux travaux se rendirent au même endroit pour porter la pierre, et la porter en haut du temple. Mais ils n'étaient pas assez forts pour accomplir une telle chose. Lorsqu'il eut dit ces choses, le démon des airs se plaça sous la pierre, la souleva, l'emporta dans les airs et l'inséra au bout de l'entrée du temple. Là encore, les plus grands exégètes de l'islam puisent allègrement dans ces légendes occultes pour commenter le verset du Coran que nous avons lu précédemment. On lit ainsi le commentaire d'Ibn Kathir sur le verset 37 de la sourate 38. Ce verset signifie que parmi ces démons, Salomon en utilisait afin de bâtir de hautes chambres, des images, des bassins aussi larges que des réservoirs, des chaudrons et d'autres tâches difficiles que les humains étaient incapables d'accomplir. Notez aussi que le verset 36 de la sourate 38 a également parlé de ces fameux démons plongeurs. Or, c'est précisément un autre élément narratif que l'on retrouve encore une fois dans le testament de Salomon. Nous lisons en effet « Puis moi, Salomon, j'ai dit au démon, qu'est-ce que tu peux faire pour moi ?» Le démon des airs répondit « Je suis capable de déplacer les montagnes, de porter les maisons d'un endroit à un autre, et de renverser les rois. Je lui dis alors, si tu en as le pouvoir, soulève cette pierre et place-la à l'angle du temple. Mais il répondit, non seulement je soulèverai cette pierre, mon roi, mais avec l'aide du démon qui vit dans la mer Rouge, je soulèverai aussi le pilier de l'air qui se trouve dans la mer Rouge, et tu l'arrangeras comme tu le voudras.
Là encore, nous voyons que l'allusion au démon plongeur se retrouve clairement aussi bien dans le Coran que dans le Testament de Salomon. D'ailleurs, Ibn Kathir continue ce commentaire de ce passage du Coran en parlant de cet autre groupe de démons qui plongeaient dans la mer pour y chercher des perles, des joyaux et d'autres objets précieux qui ne pouvaient se trouver ailleurs. À ce stade, nous avons facilement prouvé qu'une fois encore, les sources prétendument bibliques du Coran sont en réalité des sources pseudo-bibliques. Cependant, le fait que le Coran, ainsi qu'un large pan de la tradition islamique la plus sérieuse, se base clairement sur un texte fondateur de l'occultisme des premiers siècles de notre ère, devrait sérieusement inquiéter nos amis musulmans. Il va de soi que le récit que nous venons de lire dans le Coran et dans le Testament de Salomon ne se retrouve absolument nulle part dans la Sainte Bible. Le Coran et le Testament de Salomon nous montrent le roi de Judée comme une espèce de magicien, qui prie Dieu pour contrôler de puissants démons afin de construire le temple de Jérusalem et accomplir toutes sortes d'autres travaux. Or, ce n'est pas du tout ce que Salomon demanda à Dieu dans la Sainte Bible. Bien au contraire, nous lisons dans le troisième chapitre du troisième livre des rois que Salomon fit la demande suivante à Yahvé. « Maintenant, Yahvé, mon Dieu, vous avez fait régner votre serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un tout jeune homme, ne sachant pas comment me conduire. Votre serviteur est au milieu de votre peuple que vous avez choisi, peuple immense qui ne peut être évalué ni compté tant il est nombreux. Accordez donc à votre serviteur un cœur attentif pour juger votre peuple, pour discerner le bien et le mal. » Et Dieu répondit à Salomon, « Parce que tu as fait cette demande, et que tu n'as pas demandé pour toi de longs jours, et que tu n'as pas demandé pour toi des richesses, et que tu n'as pas demandé pour toi la mort de tes ennemis, mais que tu as demandé pour toi de l'intelligence pour exercer la justice, voici que je fais selon ta parole. Voici que je te donne un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y ait eu personne avant toi qui te soit semblable, et qu'il ne se lèvera personne après toi qui te soit semblable. Et même ce que tu n'as pas demandé, je te le donne, richesse et gloire, au point que parmi les rois il n'en aura aucun autre comme toi pendant tous tes jours. Si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme a marché David ton père, je prolongerai tes jours. » Nous voyons ici que le récit biblique est radicalement différent des fables du Coran et de celles du Testament de Salomon. En effet, selon le livre des rois, Salomon demande à Dieu les grâces d'une sagesse exceptionnelle afin d'être un bon roi pour son peuple. Dieu lui accorde cette grâce à condition qu'il demeure fidèle à la sainte religion. Or, comme nous le savons, le roi Salomon n'est pas demeuré fidèle aux promesses qu'il fit à Dieu. En effet, la Bible nous apprend que le roi Salomon, longtemps réputé pour son immense sagesse, termina sa vie dans l'impiété et dans le relativisme, notamment en raison de l'influence de ses nombreuses femmes païennes. L'infidélité de Salomon sera durement punie puisqu'elle conduira finalement au grand schisme entre la Judée et l'Israël du Nord, schisme qui se soldera par l'invasion des Assyriens et des Perses. Le père Gabriel Houssani, dans l'Encyclopédie catholique, commente ainsi la fin de la vie de Salomon. Ses exactions, ainsi que son goût pour le luxe et la magnificence, conduisirent à un mécontentement général qui, sous le règne de son fils, divisa son royaume en deux et mena finalement à la destruction méthodique de la nation des Hébreux par le joug des Assyriens et des Perses. De même, il est clair qu'en plus d'avoir aimé le faste, Salomon était voluptueux et sensuel, et qu'il fut conduit, sous l'influence de ses femmes et de ses concubines, à adorer de faux dieux. On lit en effet dans le 11e chapitre du 3e livre des rois le passage suivant. « Et Yahweh dit à Salomon, « Parce que tu t'es conduit de la sorte, et que tu n'as pas observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, j'arracherai sûrement de ta main le royaume et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai pas pendant ta vie, à cause de David ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. » Ainsi, nous voyons que dans la Sainte Bible, la morale divine apparaît très clairement dans l'histoire de Salomon. Dieu accorde des grâces exceptionnelles à Salomon, mais ce dernier finit par s'en détourner pour adopter des mœurs païennes. En conséquence de quoi, l'ancien royaume d'Israël est puni par le schisme et par les invasions des infidèles. Il s'agit d'ailleurs d'une prophétie prototypique de l'apostasie des princes de la chrétienté à l'époque moderne. Au contraire, dans le Coran et dans les sources occultistes, on ne peut conclure qu'à une sorte de légitimation de l'usage de la magie blanche par Dieu, ce qui est absolument absurde et absolument blasphématoire. On trouve au verset 31 de la sourate 5 un curieux récit relatif à la mort d'Abel à la suite de son meurtre par son frère Caïn. On lit en effet le passage suivant. Son âme l'incita à tuer son frère, il le tua donc et devint ainsi du nombre des perdants. Puis Allah envoya un corbeau qui se mit à gratter la terre pour lui montrer comment ensevelir le cadavre de son frère. Il dit « Malheur à moi, suis-je incapable d'être comme ce corbeau, même d'ensevelir le cadavre de mon frère ?» Il devint alors du nombre de ceux que ronge le remords. Tout catholique ayant lu la Sainte Bible sait bien qu'on n'y trouve nulle part une pareille histoire. Là encore, l'auteur du Coran est allé puiser dans les légendes talmudiques et agadiques que l'on trouve notamment dans le Pirkei de Rabbi Eliezer ainsi que dans le Midrash Tanouma.
On constate cependant dans la légende du Pirkei du Rabbi Eliezer une légère différence avec le récit coranique, puisque dans la source talmudique, ce n'est pas Caïn, mais Adam qui enterre Abel. Hormis ce détail, le schéma narratif est essentiellement le même. On lit en effet au chapitre 21 du Pirkei du Rabbi Eliezer, le passage suivant. Adam et sa compagne étaient assis et ils pleuraient et se lamentaient à propos d'Abel, et ils ne savaient pas comment faire à propos du corps d'Abel, car ils ne savaient pas ce qu'était un enterrement. C'est alors qu'arriva un corbeau, dont l'un des congénères venait de mourir. Le corbeau dit « Je vais apprendre à cet homme ce qu'il faut faire ». Le corbeau prit son congénère, creusa la terre et l'enterra devant Adam. Adam dit alors « Je ferai comme le corbeau a fait ». Immédiatement, il prit le corps d'Abel, creusa la terre et l'enterra. Notons cependant qu'il existe une controverse autour de la datation du Pirkei du Rabbi Eliezer, puisqu'il en existe plusieurs éditions. Selon l'Encyclopédie juive de 1905, l'une des éditions les plus connues date du 9e siècle de notre ère. C'est pourquoi certains apologistes musulmans contemporains ont tenté de démontrer que le récit talmudique était postérieur à l'apparition du Coran. Selon eux, le Coran n'a donc pas pu s'inspirer de ce texte, ceci d'autant plus que plusieurs versions du Pirkei Eliezer semblent clairement faire allusion à la conquête islamique de l'Arabie et de l'Espagne. Néanmoins, l'argument de ces apologistes musulmans est facilement réfutable. Premièrement, les légendes rapportées dans l'édition médiévale du Pirkei Eliezer sont attribuées au grand Tanaïm des premiers siècles du judaïsme talmudique, tels que Eliezer ben Hyrcanus, Shimon bar Yorai et Juda bar Ilai, qui vivaient tous au IIe siècle après notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, le fait que l'édition médiévale du Pirkei Eliezer rapporte ces légendes n'est pas surprenant. D'ailleurs, il importe peu que ces Tanaïm soient les véritables auteurs de ces légendes pseudo-bibliques. Le fait est que les auteurs talmudiques ont toujours eu pour coutume de rapporter leurs anciennes traditions et de les compiler dans des livres. Les légendes pseudo-bibliques trouvées dans le manuscrit médiéval peuvent donc parfaitement provenir de sources bien antérieures à l'islam. Deuxièmement, que le Pirkei de Rabbi Eliezer soit antérieur ou postérieur à l'islam ne change strictement rien. Dans les deux cas, cette légende ne se trouve aucunement dans la Sainte Bible. Troisièmement, on retrouve cette légende dans un autre ouvrage agado-midrashique sur le Pentateuque, à savoir le Midrash Tanouma, également appelé Tanouma Yelam Denou. Il s'agit là encore d'une compilation de légendes talmudiques diffusées à partir des 8e-9e siècles sous format écrit, mais dont les origines sont manifestement bien plus anciennes. Selon l'universitaire Philippe Culberson, la date et la provenance de ce commentaire de la Torah demeurent un mystère, bien que les autorités rabbiniques, qui y sont mentionnées, vivaient tous au 4e siècle de notre ère, ou avant cela. D'une façon générale, le monde universitaire situe la compilation de ces textes en Italie du Sud, vers la moitié du 8e siècle. De son côté, le rabbin et historien Meyer Waxman estime que la date et la collection du Midrash Tanouma est donc très avancée et doit probablement être contemporaine à celle du Bereshit Rabba, c'est-à-dire au début du 6e siècle de notre ère en Palestine. Donc là encore, il importe peu que cette légende du corbeau d'Abel soit antérieure ou postérieure à l'apparition de l'islam, puisque dans tous les cas, cette légende ne trouve aucun fondement dans la Sainte Bible. De plus, en considérant le nombre énorme d'histoires pseudo-bibliques dans le Coran, il est absolument vain pour les apologistes musulmans de vouloir défendre la postériorité de ce récit en particulier. L'histoire de la rébellion de Corée et de ses partisans est bien connue des catholiques qui connaissent bien leur Bible. On retrouve dans le Coran une allusion curieuse à ce personnage biblique. Nous lisons en effet dans le verset 76 de la sourate 28 le passage suivant. « En vérité, Corée était du peuple de Moïse, mais il était empli de violence envers eux. Nous lui avions donné des trésors dont les clés pesaient lourd à toute une bande de gens forts. Son peuple lui dit « Ne te réjouis point, car Allah n'aime pas les arrogants ». Le Coran présente ici Corée comme étant un homme riche possédant un trésor dont les clés sont tellement lourdes qu'un groupe d'hommes nombreux aurait du mal à les porter. L'allusion au récit biblique de la rébellion de Corée est difficile à établir, bien qu'on nous le présente ici dans le Coran comme étant un persécuteur et un homme arrogant, ce qui est exact. Cependant, tout démontre que l'auteur du Coran n'est pas allé chercher cette histoire dans la Sainte Bible, mais plutôt dans le Talmud de Babylone, qui cite le rabbin Lévi, qui vécut au 3e siècle de notre ère. Nous lisons en effet dans le traité Sanhédrin, au chapitre 110, le passage suivant. Et Rabbi Lévi a dit « Les seules clés du trésor de Corée étaient un fardeau tellement lourd qu'il fallait 300 mules blanches pour les transporter, et de plus, toutes ces clés et toutes ces serrures étaient faites de cuir. Ceci illustre l'immensité de la richesse de Corée. » On retrouve également une mention de cette histoire talmudique dans le traité Pécharim au chapitre 119a, où les sages du Talmud expliquent l'origine supposée de la richesse de Corée. Selon eux, il s'agirait d'une partie du trésor de Joseph que Corée aurait retrouvé. D'autres traditions talmudiques donnent d'autres explications, par exemple que la richesse de Corée proviendrait de son ancien poste de ministre des Finances du pharaon d'Égypte.
Cependant, les historiens juifs admettent eux-mêmes que la richesse de Corée n'est indiquée nulle part dans le Pentateuque. Le professeur Avigdor Shenan commente ainsi cette histoire talmudique. Pourquoi les sages veulent-ils présenter Corée comme un homme extrêmement riche? Il est difficile de justifier la chose au regard du récit biblique. En effet, on lit dans la Bible que la bouche de la terre s'est ouverte afin d'engloutir Corée et ses partisans, leurs maisons, eux et leurs familles, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Or, rien ici ne suffit à affirmer que Corée était un homme extrêmement riche. Quoi qu'il en soit, le schéma narratif du verset 76 de la sourate 28 montre clairement que l'auteur du Coran s'est directement inspiré du récit talmudique et non pas du récit biblique. Ceci est d'autant plus exact que le récit coranique ne dit strictement rien du contexte et des vraies raisons de la rébellion de Corée. Certes, les versets 78 à 80 de la sourate 28 insistent bien sur l'arrogance de Corée, mais affirment cependant que son arrogance, à se dire sage, lui venait de sa richesse matérielle. Et le verset 81 rapporte bien l'engloutissement de Corée et ses partisans. Cependant, on voit ici que la source profane du Coran manque fatalement et mécaniquement de rapporter l'essence réelle du récit biblique. En effet, dans la Sainte Bible, on apprend que Dieu a puni Corée et ses partisans, non pas à cause d'une arrogance due à sa supposée richesse matérielle, interprétation venant purement du Talmud, comme nous l'avons dit, mais bien plutôt à cause de son arrogance et de sa réticence à vouloir obéir à la hiérarchie sacerdotale instaurée par Dieu, ainsi qu'à vouloir interpréter librement la loi mosaïque. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le magistère de l'Église catholique qualifie régulièrement Corée de prototype par excellence de tous les auteurs de schisme. C'est ainsi que s'exprime le pape Eugène IV dans les textes du concile de Bâle, Ferrare, Florence. Nous lisons en effet dans les textes du concile à la session 9. La volonté vengeresse du Seigneur Dieu s'enflamma contre les schismatiques tels que Corée, Dathan et Abiram, qui furent tous engloutis ensemble par la terre pour avoir fomenté un schisme contre Moïse, l'homme de Dieu. De façon ironique, le Coran, dans le verset 75 de la sourate 28, affirme la chose suivante. Nous ferons sortir de chaque communauté un témoin, puis nous dirons « Apportez votre preuve décisive. Ils sauront alors que la vérité est à Allah, et que ce qu'ils avaient inventé les a abandonnés. » Or, en vérité, nous voyons bien ici que celui qui a inventé des choses contre Dieu et contre la Sainte Bible, c'est bien plutôt l'auteur du Coran, qui doit donc être compté parmi les héritiers de Corée, à l'instar des pharisiens, des talmudistes, des schismatiques d'Orient ainsi que des protestants. En conclusion, cette liste d'emprunts pseudo-bibliques que nous avons identifiés et repérés dans le Coran est loin d'être exhaustive. Nous aurions pu encore fournir beaucoup d'autres exemples similaires, mais si Dieu le veut, nous compléterons cette liste dans une future étude complémentaire. Dans tous les cas, nous venons donc de prouver de façon incontestable qu'une très grande quantité d'histoires apparemment bibliques présentes dans le Coran sont en réalité des légendes pseudo-bibliques provenant de sources profanes. Nous avons également vu que les sources talmudiques sont très majoritairement représentées dans les histoires pseudo-bibliques du Coran. Les prétentions du Coran à être la suite et la confirmation de la Bible sont donc absolument irrecevables, puisque le Coran est rempli d'histoires qui ne se trouvent nulle part dans la Sainte Bible. D'ailleurs, tout ce que nous venons de montrer ici condamne non seulement les prétentions du Coran, mais démontre également à quel point le judaïsme talmudique est profondément corrompu. Notez par ailleurs qu'il est régulièrement arrivé aux théologiens catholiques d'aller consulter la tradition talmudique afin d'y chercher des informations factuelles. Cependant, il s'agissait toujours pour eux d'effectuer un travail de renseignement historique. Jamais aucun théologien catholique digne de ce nom n'a considéré que le Talmud ou la Kabbale pouvaient contenir des textes révélés. Bien au contraire, l'Église a condamné le Talmud de façon virulente au XIIIe siècle et même ordonné au roi Saint-Louis d'en faire brûler des exemplaires sur le parvis de Notre-Dame de Paris. Tandis qu'au contraire, nous voyons que le Coran reprend clairement de nombreuses histoires talmudiques et autres légendes juives profanes et les présente donc aux musulmans comme s'il s'agissait de véritables révélations divines. Ainsi, nos amis musulmans devraient sérieusement considérer la chose. Puisque la croyance selon laquelle la Sainte Bible aurait été physiquement corrompue est rejetée par l'évidence historique et par le témoignage du Coran et de la tradition islamique, il faut donc nécessairement conclure que c'est bien plutôt le Coran, ou du moins l'auteur du Coran, qui est allé puiser dans des sources effectivement corrompues, profanes et donc non révélées. La conclusion dans tout ceci, chers amis musulmans, je pense que vous la connaissez, c'est que le Coran n'est pas la vraie révélation de Dieu, que l'islam n'est pas une vraie religion révélée par Dieu, et donc que la seule option qui vous reste, c'est de vous convertir, bien sûr, au catholicisme, ou en tout cas du moins de réfléchir à tout ceci, et de considérer toutes les informations que je viens de vous donner. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette émission vous a plu, que vous avez appris des choses,
Que vous soyez musulman ou catholique, que Dieu vous garde. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission sur Fide TV, si Dieu le veut. Salut. Salve factis sunt et dicent, Alleluia.